tourne de la première scène ouais. et la dernière scène. Okay. Donc on tourne la dernière scène, c'est à partir du moment où Slim est déjà par terre. Par contre, le cigario. Ouais, putain, oui, voilà, ouais. Putain, j'aurais dû en ramener, quoi, putain. Non, t'as les cigares. C'est ouvert, là. Non, la prends en plusieurs. Ah non, prends en deux. Prends en cinq. Ouais. Est-ce que tu peux lui rajouter un bleu ou un truc sur la joue? Un truc parce qu'il s'est fait. Il s'est battu avec des zombies, tu sais, comme s'il a une coupure. Ok. Parce que le problème des bleus, c'est qu'on va avoir l'impression que. J'ai peur qu'on ait l'impression qu'il se transforme en zombie, tu vois. On fait un épisode qui se passe entièrement dans le futur. On avait les trois premiers, c'était de l'intrigue pure. Après, il y a eu quatre épisodes, c'est. Des vignettes un peu différentes sur chaque personnage, chaque mini-intrigue est séparé. Et là, tout se rejoint un peu, on va dire, commence à se débloquer. Et en fait, dans celui-là, c'est le double principal. On commence avec lui, on finit avec lui. Alors qu'il travaille pour les méchants, donc c'est ça qui est assez intéressant au niveau de la narration. Alors voyons voir la blessure. C'est pas mal. Ça suffit. J'ai pris des légers, il y avait plein de sortes. J'y connaissais rien. Je t'ai pris des légers, Flo. Bon, alors Flo, ça te fait quoi de retrouver la part sombre du visiteur? Bah, c'est le kiff. Avec le upgrade du maquillage, c'est que du bonheur. Ah voilà, là, petit cigario aussi, tu vois, ces petits points de détail comme ça. Ouais, forcément, pour tous les fans de Evil Dead, le petit fusil à canoncier là. D'accord. Je vais passer la matinée couchée. Voilà. Tu vas pas ronfler trop fort pour le son. Here we go. J'ai ma caravane particulière. Enfin une loge. Alors le premier plan. J'invite tous mes potes comme ça pendant les pauses. Le premier plan, c'est en gros ça, on peut la remettre genre là. Tac. C'est ma petite face. Et ça, tac. Ah, donc il a une couleur à peu près plus normale. Par contre après on va essayer de lui faire tomber des trucs bleus du haut. Moteur. Ça rec. Et elles sont stand. Alors comme ça, on a besoin de mes services. Quand je te goûte, ça fait chploc. Le fais pas à la bouche. Pardon. Ah mais il faut faire ça tout de suite maintenant. Ah bah oui, merde. Ok, on met le 50 mm. J'ai juste saturé sur. Ouais, donc là pour les plans serrés, on va prendre un autre objectif qui est non, mais... gentiment prêté par Sylvain, qui est un 50 mm. Et qui permettent de faire des gros plans assez sympas. Ok, ouais. Ça y est, là-haut, je suis pas boss. Et action. Efficacité, rapidité. Ouais. Mais je veux faire ça tout de suite maintenant. Ah, oui. Je suis chaud. Il faut la lampe illuminée. Celle qui est par terre. Attention, si la goutte a bougé, c'est 30 commentaires sur le blog. Minimum. Combien? 30 commentaires. Ouais. La tête dans le point chaud. Attends, ouais. Attention, il y a un verre là, un bout de verre. Face contre terre, on est d'accord. Il y a un bout de verre en plus. Mais pour l'instant, mets tes bras sur ta tête. Hein. Oui. Comme tu mets tes bras sur ta tête. S'il vous plaît. La tête, non, par là. Sim, je sais pas comment dire, mais c'était ta meilleure prestation. Action! C'est complètement fou! Non, mais. Ça va? Mmh. Oh là là, Bah, tu peux mettre un petit mouchoir par terre? Oui, on peut. Non, mais c'est vrai, je fais pas ça. C'est vrai. Mais vous êtes complètement fou! C'est une vraie question. Et la machine, vous l'avez au moins? Non, j'étais persuadé qu'il y en avait. Ah bah tu sais, j'ai pas besoin de l'être. Il y avait un orchestre qui... Ouais, comment t'as fait la connaissance de François? Bah, j'ai harcelé François sur Facebook. En fait, François au départ m'a embauché pour son nègre pour répondre aux questions. Je suis le personnage que François rêvait être. François donnait un stage. Et puis après, j'ai vu le travail de François dessus. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà, j'ai dit, ce garçon est... Et quand j'ai vu son âge,
J'ai dit, ce gars est ingénieux. On trouve contact pendant pas mal de temps. Et à un moment, tu me renvoies un mail en me disant, au fait, j'ai regardé le Visiteur Futur, et c'était genre peut-être la fin de la saison, hein, tu vois, et vraiment c'est vachement bien, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais pas sûr que ce soit genre ton genre de délire, tu vois, donc ça m'a vraiment touché. Et j'étais super flatté quand tu m'as, hyper heureux quand tu m'as appelé. J'y croyais pas d'ailleurs. Arrêtez de vous foutre de moi. Et ce qui est très beau, c'est qu'il écrit pour nous, quoi. Enfin, il écrit pour notre. Bah, en fait, je me rends compte que les personnages, maintenant. Enfin là, j'écris vachement mieux quand je sais qui va le jouer. Quoi. Ouais. Mais une chose est sûre. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais je m'en fiche. On n'a pas d'autres personnes. Encore le téléphone qui s'est barré aussi. Bon, allez-y, à quoi va te servir ce ballon? C'est une référence pour Castabot, ouais. Parce qu'à un moment, il va être jeté. Me servant de référence lumière. En fait, deux objets me serviront à ça. Ça, et une boule de Noël. C'est surtout pour me donner les indications des sources de lumière qui se trouvent derrière la caméra. Ça, c'est un dessin de flanc, on est d'accord. Hein. Plusieurs plans. Là, on a fait plein de trucs. Castabot, attaque éclair! Castabot, attaque éclair! Castabot, attaque éclair! Écoutez-moi bien, vous. Putain, pardon. Écoutez-moi bien, je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais une chose est sûre, vous n'obtiendrez rien de moi. Mais tu veux pas le faire un peu plus en mode... Ah oui, un peu plus. Alors, écoutez-moi bien. Ouais. Alors, déjà, je ne suis pas un robot. Hein. Et deuxièmement, en parlant de ça, j'en connais un qui va vous botter votre gros cul brûlé au troisième degré. Non, mais attends, j'ai... Tout le monde se marre, là. Attends, en premier. Casse ta botte avec éclair. Pam. Pom. Coupé, super. Ok, c'est ce qu'il me faut. C'est bon. Ouais. Non, mais tu sais quoi, s'il y avait sur la caméra, je ferais mon pied. Bah, attends mec. Faut pas, si je me mets devant là, au cas où. On va faire les gardiens. Comme ça. Il va nous tirer dans la gueule, mais faut pas que tu vises la caméra. Hein. Mais il s'est pas mis. Mais tu veux qu'elle soit à une certaine hauteur. C'est super dangereux. Bah, allez, vas-y, je mets deux mains. Tu vois, pardon, je suis désolé, mais c'est... Non mais François, tu peux pas le faire numériquement, ça? Bah si, en fait. Mais... C'est super dangereux. Je peux tout faire numériquement. Hein. Franchement, c'est tellement un plan rapide, bon... Oui, ça va. C'est pas la peine, on va pas se prendre la tête là-dessus, on va pas prendre de risques. Alors d'accord. Ok. Faut vraiment que c'est quand vrai. Tu te tires, ça fasse pas, ça va. Vrai. Vraiment le gros recul, ouais. Tu vois. Voilà, très bien. Oh putain, sans le bruit. Ouais. C'est putain, là, sans le bruit. Sans le bruit. Ouais. Sans le bruit. Tout le monde le fait, ça. Les plus grands comédiens le font. Hein. Ouais. Non, mais j'ai remarqué que c'est un truc qu'on fait trop. C'est que quand je suis au ralenti, toujours ralenti. Et à la fin, ça dure trop longtemps, quoi. Ça veut dire des plombes. Action. Ça, j'étais pas trop sous la lampe, là, en fait. Coupé. Grave. Ok. Action. Coupé. Non, tu tiens ralenti. Plus rapide, action. Dans la foulée, action. Coupé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, t'inquiète, ça va aller. Ça va. Action. C'est dans ce sens-là? Non! Ne pète pas! C'est dans ce sens-là? Non, dans l'autre! Voilà! Ouais. Ok! Ouais. Allez, 125ème prise, Florence la pète! Mais arrêtez! Mais c'est bon, on y va! Non, putain! Bon, allez, c'est
Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as une prise, il y a une prise qui est bien, je te jure, avec la première que t'as faite, elle est bien. Les plans au slimy court. Voilà. Ça me fait quelqu'un pour guider, François. Bon. Ouais, faut pas tuer de votre, quoi. En fait, non, là, ça va, c'est juste que. En fait, je peux pas cadrer en même temps. C'est toi. Coupé. Action. C'est beau là. Oh, c'est énorme. Tu jouais, c'est. Tu fais un sort. Oh. Dans le même. Ouais. Mais... Oh. Action. Oh. 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 Allez, on a double. Oh. Action! 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 C'est bon. Ok, nickel, fin de journée. Oh la vache! Très content. On a fait efficace. On a 5 minutes pour mettre en ligne. Dans 5 minutes, il faut que je mette en ligne l'épisode. Voilà. Après, il faudra voir dans le montage, parce que j'avais pas prévu ça à la base. Faire le visiteur ralenti et l'autre en vitesse normale pour voir si ça fonctionne au niveau du rythme. Donc là, il est là. Okay, il est pas encore en public. 59. Voir la vidéo, le code embed. Maîtrise. J'ai préparé l'article avant ça, sinon c'est mort. Ouais. C'est bon, il est bien centré, ça souvent c'est chiant. Ah putain, j'ai pas vérifié l'orthographe, je suis sûr que j'ai fait des fautes. J'ai toujours des fautes de toute façon. Quand les voyages dans le temps deviennent pratiques pour résoudre les scènes de ménage. Non, il n'y a pas de faute. Tac, publié. Bing. Tac. 18h. Commencez à faire des progrès pour toi. Et maintenant, les trolls peuvent ouvrir l'épisode. Alors là, faut pas tuer les codes. Pour se connecter au site officiel et avoir accès à toute la saison 2 plus le début de la saison 3. Quels sont les codes? Ils sont en fait tournés depuis 2007. Au passage, vous avez des informations comme le nom de l'assassin de Kennedy. C'est ça. Les coordonnées GPS de la zone 51. Métro, numéro 7. Image, normalement. Normalement, quand je fais l'accueil. Magie. Attention, je peux voir les épisodes sur. Ça y est, hein, c'est pas terrible, terrible, mais bon, maintenant on va prendre une douche en espérant que la semaine prochaine ce soit parti. Hein.